Marcel Reimann, Celestino Alfonso, Misak Manouchian, bien d'autres encore, sont les personnages de l'histoire que nous allons vous raconter. Un combat à la vie, à la mort. Dans Paris occupé, à partir de 1943, seules quelques dizaines de résistants communistes étrangers, organisés dans l'AMOI, la main-d'œuvre immigrée, mènent la lutte armée. Pour les contrer, ce ne sont pas les Allemands, mais la police française qui est en action, les brigades spéciales des renseignements généraux. Étrange paradoxe, voilà des hommes et des femmes, étrangers pour la plupart, luttant pour la libération de la France, mais traqués, filés, arrêtés par des policiers français qui vont les livrer à l'occupant allemand. Aujourd'hui, nous pouvons faire la vérité sur cette affaire grâce aux derniers documents exceptionnels trouvés à la préfecture de police et aux archives nationales, grâce aussi aux témoignages des rares survivants et rescapés des rafles et des camps de concentration. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en.